les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite couronne de porte avec ce qu'on a à la maison. Bien sûr, c'est, vous l'avez compris, cette année, le mot d'ordre. Je fais avec ce que j'ai. Regardons un peu comment je fais cette jolie couronne. Comme matériel, c'est très simple pour faire cette couronne. Il nous faut un carton, un marqueur, de quoi faire les deux ronds, donc soit compas, soit comme moi, une assiette et au milieu un plat pour avoir une largeur à peu près de 3 cm. Ensuite, déco à ce qu'on a à la maison. Là, j'ai la chance d'avoir ces jolies guirlandes, donc je pense qu'il en faudra deux. Et bien sûr, pour faire à côté nature, des pommes de pin et un peu de fil de fer pour attacher, parce que je vous rappelle qu'on fait que du recyclage qui peut se recycler, donc on va rien coller, on va tout monter avec du fil de fer pour pouvoir après les enlever, les ranger ou refaire autre chose avec. Hein, ça c'est du 100% zéro déchet BMBP. Donc première chose, je place, alors là, je vais, comme toujours, moi j'aime pas gaspiller mon carton, donc je vais garder la partie la plus et je vais faire un tracé autour. Donc, je ne vais pas faire une grosse grosse couronne, vu que de toute façon j'ai pas un gros gros carton, on s'en fout. Hop. Après, on place. Alors bien sûr, il va quand même nous falloir une paire de ciseaux pour couper ça. Hein. Bien sûr, toutes les chutes de carton iront au bac de recyclage. Une croix toujours au milieu, ça presque plus facile à couper. Alors moi ce que je fais, c'est que je dégage toujours déjà un côté pour pouvoir après bien accéder. Mais bon, chacun se découpe. Alors je vois que mon cercle n'est pas très très gros. Oui. Alors vous pouvez le faire au cutter, c'est plus pratique. Bon, ciseaux, c'est pas le plus pratique. Hein, on va pas se mentir. Mais, comme je l'ai dit, en fait, ce qu'on a, c'est vraiment l'esprit cette année de mes tutos. Faire avec ce qu'on a à la maison. Confiné, mais pas raté. Voilà, allez, mon cercle est fait. On prend la guirlande et on l'entoure. Ma couronne est faite, il ne me reste plus qu'à placer les petites choses. Regardez déjà, comme ça, elle est jolie. J'ai un tout petit peu de collier de perles, donc je vais les fixer pour faire un truc sympa.
toujours par derrière pour pas que ça se voie. Je prends le fil de fer avec les deux boules et j'entoure autour. Comme ça, ça tient. Maintenant, il ne reste qu'à mettre un petit peu. Comme j'en ai pas beaucoup, c'est mettre comme ça. Voilà. Et je refais la même chose de ce côté. Je reprends mon fil de fer avec mes petites boules et j'entoure. Voilà, et après je peux encore mettre des boules dessus. Alors moi les boules là sont vraiment trop grosses parce que ça va pas donner quoi que ce soit de plus, donc les boules moi perso je vais éviter. Par contre je vais mettre des pommes de pin, pommes de pin toujours avec le même principe, fil de fer. Alors le mieux c'est de les prendre et de voir où on les positionne. Là en plus j'ai la chance on va retrouver des petites pommes de pin. Donc je vais les positionner à droite à gauche. Et puis je vais les attacher avec le fil de fer. Alors comment on fait pour attacher une pomme de pin avec un fil de fer? C'est simple, on passe le fil de fer dedans. Voilà. Ça veut bien se mettre. Et après, bah, il va suffire. Comme là, je vais en mettre deux, bah, je vais faire pareil avec la petite à côté. Hop, je vais passer dedans. Voilà. Je positionne, je prends assez de longueur, hop, et je refais un tour autour de ma pomme de pin pour bien la fixer. Tout simplement. Je vais faire pareil avec les autres. Alors souvent, je fais à l'opposé comme ça. Ça donne vraiment quelque chose de sympa. Celle-là, je vais la mettre un peu plus en extérieur. Et voilà, cette fois-ci, on a fini. Donc, si on voit que c'est pas assez rond, je la remets bien en place. Voilà, il me reste plus qu'un lieu à mettre. Alors, comme je vous le disais, quand on veut on peut faire plus, on peut mettre du ruban. Ça donnerait un truc comme ça. On peut faire un nœud en haut. Moi, j'aime les choses qui soient un peu plus tranquilles. Donc, je vais rien mettre de plus. Ça me suffira. Plus qu'à l'accrocher, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On y va. Voilà, elle est plus belle effet sur la porte. Franchement, c'est sympa. La bonne nouvelle, c'est qu'on pourra tout démonter pour réutiliser l'année prochaine. Zéro déchet, zéro dépense. Que dire de mieux sinon, faites comme moi, faites avec ce que vous avez. Ce n'est pas de ce type de couronne, de ce type de guirlande verte. Vous en mettez une dorée, une argentée. Hey, lâchez votre imagination, ça fait du bien. Les enfants aussi peuvent le faire. Que dire de mieux sinon, continuez à créer. On se retrouve bientôt pour une nouvelle idée, toujours en recyclé pour Noël. Salut! Vive Noël!